Il y a une route. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Merde, les trinitaires, plante-toi. Merde. C'est coincé. Je vois ça. Comment on va régler ce problème? Reste derrière moi. Comment tu veux que je le sache? Qu'est-ce que tu fais? Recule, cache-toi. Tu es l'expert en logistique, non? C'est pas moi qui me suis engagé sur un pot pourri. Oh, une seconde! On l'occupe! Pas besoin, c'est des alliés. Et reste vigilant. Je vais jeter un œil. Je m'en charge. Personne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef! Il y a quelque chose. On finira par le trouver. Ça remonte à quand, cette dernière révision? C'est tout rouillé. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout ce qui bouge. Mais aussi tout ce qui bouge pas. Ils ont toujours pas trouvé cette rue. Ça se trouve, je vais tomber dessus. Qu'est-ce que ça part? Je vois pas. C'est un héros. Tu serais mort, surtout. Je préfère rester là, sur la zone. Les ai vus, cherchez, monsieur. Bougez-vous un peu le cul. Oui, chef. Fais quoi ton équipe? Je vais voir, t'étais pas pour faire du tourisme. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Le temple principal, on connaît. Là, ce qu'on cherche, c'est des ruines que petit homme aurait pu louper avant. C'est bon. Je vois pas comment on peut faire. Alors qu'on le perde si on le bouge. On va devoir renforcer le pont. Pourquoi t'as pas fait le test? Je te disais. Ah, je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. Merde, c'est pas de ma faute tout ça. Je veux peut-être tirer dessus avec le camion. Ok, peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Prends à gauche, je vais m'occuper d'eux. C'est quoi? Plante-toi. Dev, Samy. Ah, c'est le type. Je leur ai dit, commencez par le pont. Non mais bon. Dev, Samy. Tout de suite! Putain! Bouge pas! Merci. Ça va? Ouais. Prends ça. Oh. J'espère qu'on sera tranquille. Ouais. Qu'est-ce qui les a conduits ici? Je sais pas. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. Non, j'ai le bras qui gratte. C'est que tu guéris. Oh, je comprends. J'essaye très fort de pas penser à mon dos. Ça a marché.
Allez, on avance. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses. Deux monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on le verra. Ouais. Je vois des gens plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit? Comment vous avez atterri jusqu'ici? Vous avez perdu votre groupe de touristes? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis? Les Trinitaires. Absolument pas. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions, mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby. Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, 3. Et donc, vous êtes là pour quoi, exactement? On suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Craché ? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Oh, faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Oui. Ouais, longue histoire. Ah. Merci. Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue? Non, c'est elle l'archéologue, moi, je fais la popote. Vraiment? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson. C'est où cette photo? Au Mexique. Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça ? Il y a des ruines, pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Oh, et si tu te reposais un peu ? T'es sûr ? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Une nouvelle. Va falloir vous habituer à rien faire, même si on passe le temps en buvant et en se muant. Vous n'êtes pas du coin ? Non, je travaille sur un bateau qui s'est échoué pas loin d'ici. La tempête nous a surpris. Il a coulé. Vous voulez qu'on fasse affaire ? Oh ! Ah, bonjour. Vous êtes avec l'équipe d'excavation ? Non, je ne fais que passer. Ok. S'il vous faut quelque chose, le marché est en plein centre-ville. Vous pouvez faire le plein avant de repartir. Merci. Je vous en prie. Ça fait 2 ans que j'essaie de trouver le courage de l'inviter. Et quand enfin je l'ai... Non mais c'est qui ce type ? Hey, si vous avez besoin d'un guide dans Kuwakiaku, je suis là. Vous êtes le guide touristique ? Je sais où aller.
et surtout qui éviter. Je vois. Le meilleur poisson est sur le quai, forcément. Pour les tacos, c'est El Licor des Cerdos, mais leur bière est tiadas. Je vais me méfier. Oh, et Omar, n'approchez pas de ce type. C'est les ennuis assurés. Il croit qu'il peut débarquer en ville et prendre tout ce qu'il veut. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ouvrez bien les deux yeux. C'est peut-être bête après tout. Omar. Ah oui ? Il travaille depuis des heures. Et ? C'est pour ça qu'on les paie, non ? Du vent. Oh non, merde. Maintenant dégage et laisse-moi regarder le match. C'est quoi ça ? J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. Est-ce que tout va bien ? Non, tout va très mal, comme d'habitude. Ces pillards ont débarqué, nous ont fait déterrer nos propres reliques et refusent de nous payer de façon décente. Et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver. On est au bout du rouleau. On trouve plus de travail sans pourvenir. On fait des cibles faciles. Et j'imagine que la tempête n'a pas dû aider. Le peu qu'on avait s'est retrouvé détruit ou noyé. Je vois pas comment m'en sortir. J'ai un peu d'expérience avec ce genre de personnes. Je peux peut-être aider. Je vois pas ce que vous pourriez faire. C'est quoi votre nom ? Lara. Victor. Si vous voulez parler à Omar, notre grand tortionnaire en chef, chargé du vol et du pillage, il est ici. Merci. Soyez prudente, il aime pas qu'on lui manque de respect. Cassez-vous, brouillez la réception. Omar ? Vous êtes qui ? Vous cherchez du travail ? Eh ben c'est pas de chance, on a assez de gens. C'est Marco qui s'occupe du recrutement de toute façon. Oh, oui, merci. Vous savez où je peux le trouver ? À votre avis, au bar. J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. Mademoiselle Ortiz, votre dévouement pour le village de Kouakiakou est tout à fait remarquable. Cependant, Port Bénir récuse vos accusations de responsabilité de l'état désastreux dans lequel se trouve le village. Le conseil d'administration a donc décidé, avec l'assentiment du gouvernement local, de vous attaquer en justice si jamais vous deviez poursuivre votre croisade contre notre réputation. Pour Roberto Lavilla, président-directeur général, Port Bénir. Essayez de se manger, Marco. Il peut se passer n'importe quoi. Je cherche Marco. Ah ouais ? Pourquoi faire ? Je voudrais juste lui parler. Il a pas envie d'avoir d'ennui. Je lui cherche pas d'ennui. Je cherche du travail. Du travail ? Eh ben, ok alors. Donc, c'est vous, Marco ? Dites-moi que c'est pas Omar qui vous envoie pour se foutre de moi. Si l'un de ces animaux s'en prend à mon fils, je vais... Marco, je suis pas avec Omar, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils ? Ah, je me suis fait mal au genou, alors Omar a pris Pablo pour me remplacer au site de fouille. Il m'a nommé DRH et il veut que je trouve quelqu'un d'autre, sinon... Sinon, il gardera votre fils. Oui, mais j'ai peur qu'il refuse de libérer Pablo, même si je lui amène quelqu'un. Eh ben, heureusement que vous avez une nouvelle recrue. Vous ? Vraiment, vous feriez ça ? On voudrait pas décevoir le patron, pas vrai ? Merci. Et si vous voyez Pablo, dites-lui. Dites-lui que je suis là. Ça fait 2 ans que j'essaie de trouver le courage de l'inviter. Et quand enfin je l'ai... Non mais c'est qui ce type ?
voit pas beaucoup de touristes ici. Oh, je suis pas une touriste, vous savez. Je suis scientifique. Ah, bon. Ah, mais si vous aviez vu comment c'était il y a 20 ans. En plein essor, vivant, animé et tellement optimiste pour l'avenir. Optimiste, je dirais plutôt crédule. C'est-à-dire ? Parvenir est arrivé. Un groupe pétrolier de Lima. Ils ont débarqué, acheté la ville, offert du travail. Ils voulaient même construire des appartements de l'autre côté de la rivière. Jusqu'à ce que le rendement s'effondre. Le choc pétrolier. Maintenant, on fait avec ce qu'ils ont laissé. Dommage que vous soyez pas une touriste. Les touristes achètent des trucs, pas les scientifiques. Faites de tissus et rembourrées de roseaux et de graines, les poupées funéraires traditionnelles tenaient fréquemment quelque chose dans la main, comme un instrument de musique ou une pelote de laine. Cette poupée-ci tient un jeune enfant, ce qui pourrait signifier que la défunte était mère. Mais celle-ci est faite en matériaux modernes. Peut-être qu'elle faisait office de jouet promotionnel pour Porbénir. Autrefois, ce village était sous la surveillance et la protection du Condor, mais on a laissé l'aigle le chasser. Je suis pas sûre de comprendre. Moi non plus. On s'est perdu dans notre quête matérialiste. On a cru qu'on serait plus heureux les poches pleines d'argent. Mais ça aussi, l'aigle nous l'a pris. Je ne vous ai jamais vu par ici. Je viens d'arriver, mais je ne fais que passer. Vous fiez pas aux apparences. On est bien ici. C'est difficile, mais on est bien. Votre jardin a résisté à la tempête ? La chance et le travail. Beaucoup de gens y cultivent des choses, alors ils sont venus pour le protéger. Mademoiselle Ortiz, nous vous remercions de votre demande. D'après les échantillons que vous nous avez fournis, la qualité de l'eau du bassin versant au niveau du village de Kouakiaku est très mauvaise. Les résultats de notre étude indiquent un phénomène d'envasement, de pollution chimique et de pollution aux métaux lourds de grande ampleur. La turbidité dépasse les limites autorisées. L'eau turbide, trouble, n'est pas potable. Et la forte teneur de particules en suspension ne la rend pas non plus utilisable pour l'irrigation, car elle pourrait endommager les infrastructures. La pêche ne semble plus possible sur les sites touchés, ce qui met à mal les moyens de subsistance des populations concernées. Le pH de l'eau est fortement basique et la demande chimique en oxygène très élevée. Ces résultats indiquent une pollution chimique de la rivière. L'eau à pH élevé devient corrosive et peut abîmer les canalisations, les équipements et les vêtements. La présence dans l'eau d'agents pathogènes, comme la salmonelle, représente également un risque de santé publique pour les communautés concernées. C'est quoi ça?
Mon Dieu. Pitié, aidez-moi. Ça va aller? Ils vont venir me chercher. C'est toi, Pablo? Oui. Tout va bien. Ton père m'envoie. Il est chez Abby. Va le retrouver. Je vais m'occuper de ces types. Merci. Merci beaucoup. Ne reste pas là. J'aime pas trop ce bruit. Merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne trouvait 10 personnes par semaine avant. On a vu ça à cause de son frère. On va parler de syndicat, de justice. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'on trouve? Ça vaut le coup, moi. Le marché noir, ça peut. C'est vrai, c'est presque 100% de marge, que ce soit depuis qu'on en tire. Saloperie de merde. Un homme à terre! Au village. Prenez vos affaires et rentrez au village. C'est vrai. Merci. Ce couteau est une réplique en plastique de ceux qui étaient utilisés pour sacrifier des lamas pendant le festival d'Inti Raymi, le dieu soleil. Ils étaient aussi parfois utilisés pour des opérations chirurgicales. Les Incas pensaient que la trépanation soulageait la pression crânienne et guérissait certaines maladies. Thank you.
Oui, vous pouvez vers Sherby. Parfait, j'espère qu'il va bien. Quoi les a pris ça? Cuidado, señorita. C'était bête après. Pablo m'a dit ce que vous aviez fait. Je sais pas quoi dire, si ce n'est merci. De rien. Vous savez, il y a bien longtemps, quand mon grand-père était adolescent, des hommes sont venus pour essayer d'abattre les arbres tout autour du village. Tout le monde a eu peur de s'opposer à eux, mais pas mon grand-père. Un garçon de 15 ans avec une arme vide, debout à l'entrée du village face à des machines et des hommes qui faisaient deux fois sa taille. Parfois, le courage d'une seule personne compte plus que la lâcheté d'un groupe. J'ai gardé l'arme qu'il avait sur lui ce jour-là. J'aimerais vous la donner, comme un symbole de courage et de reconnaissance. Vous ne voulez pas la donner à Pablo ? Mon fils veut devenir docteur, comme sa mère. Au fait, quel est votre nom ? Lara. J'ai une nouvelle histoire à raconter maintenant. Merci, Lara. Dieu merci, la tempête a presque épargné le village. L'épicentre était plus proche de l'avion. Mais ça aurait pu être bien pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Et si le séisme frappait ici? Des centaines de gens mourront. Je dois trouver un moyen de l'empêcher.